Je sors en dernier, c'est le dernier freestyle avant le projet. J'annonce mon EP, bientôt dans les bacs. Tu vas l'acheter ou tu vas le streamer. Tu vas l'acheter et tu vas le saigner. Bonjour à tous, bienvenue dans Morse Angeles. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune rappeur, Zenek, qui vient de Morsan-sur-Orge. Il va nous expliquer un peu son vécu, pourquoi il rappe, qui l'a mis dans cette voie-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi ses projets. Zenek, présente-toi un peu, en quelques secondes. Je me présente alors, Zenek, rappeur morsantois, je viens du 20 rue, Tiscouargent-Morlaix. Je rappe depuis que j'ai 13 ans. Je merci jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans le game. Qui t'a fait rêver dans ta jeunesse? Qui t'a mis sur le banc du rap? J'ai envie de te dire, c'est les frangins. C'est les frangins, c'est les refs. Après, l'entourage du quartier, c'est... Tu vois, quand t'es en quartier, t'as tout le monde qui écoute toutes sortes de musiques. Mais en général, les plus grands, ils sont dans le futur, dans ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire, ils ont toujours les nouveaux sons. Donc moi j'écoutais, des fois on écoutait en cachet, et après on est tombé dedans, non on veut plus rappeler, on veut que ça. Ça t'a propulsé très bien. Ouais. J'ai entendu dire aussi que t'avais fait une scène à Morsan, comment ça s'est passé, qui t'a propulsé? C'était le concert de Safe You, je devais avoir 14 ans je crois, et j'étais pas programmé, rien du tout, j'étais dans le public, on est venu chercher, on m'a dit, vas-y c'est à ton tour. Et tu peux faire de la musique, du rap et tout, mais garde le respect, faut pas oublier qu'on a écouté, que... Il y en a, ils vont nous prendre pour exemple. Ça veut dire, voilà, faut pas s'inventer une vie. Raconte ta vie, t'invente pas de vie, parce qu'on joue aux autres, on le saura. Très bien, très bien. Donc les jeunes, vous pouvez le prendre en exemple. On a un très bon rappeur avec nous dans cette ville. Donc n'hésitez pas à le prendre en exemple. Du coup, tes projets, là, qu'est-ce que tu concrétises? Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Ton passé, qu'est-ce qui t'a apporté? Là, c'est comment en ce moment Ça allait très vite. C'était en... 2016, j'avais sorti un projet, j'étais dans une bonne période, j'avais mon entourage, j'avais mon équipe, on l'a sorti. Et suite à ça, en fait, le projet, il a très bien pris. On était confiants, mais pas à ce point-là, en fait. Il a très bien pris, les gros médias, passage télé. C'est un engouement qui se crée autour de ça. Il y a vraiment du monde autour de moi qui m'ont donné la force. Là, aujourd'hui, j'ai à la suite du projet, en fait, The Next Party 2 qui est en cours. C'est prêt à l'envoi même carrément, et là on est vraiment dessus sur la communication, l'équipe qu'on prépare et tout, les sons qu'on va envoyer. Les jeunes de Morsan, ils peuvent te suivre sur quoi? Sur quel réseau? Sur Instagram, Snapchat et j'ai ma page Facebook qu'on va mettre. Petit freestyle pour les jeunes de Morsan qui t'écoutent, qui te suivent. Petit freestyle, comme ça, un petit truc de 2 secondes, pas très long. A cappella. Je sors en dernier, c'est le dernier freestyle avant le projet. J'annonce mon EP, bientôt dans les bacs. Tu vas l'acheter ou tu vas le streamer. Tu vas l'acheter et tu vas le saigner. T'en demanderas, et bah y'en aura. Je me sens puissant, je me mets à briller. Autour de moi, il y a un aura. Je suis dans la rage, t'es dans l'oral. Fissure anale, bruit de l'orage. Droit à tes mis, surface tigrée. Force de gorille, j'ai pédigré. À la naissance, j'ai pas pleuré. À ma mort, je vais rigoler. Ramène ta tête, que je l'ouvre en deux. Je traverse le checks, 402. Je suis avec Issam, on fait du sale. Steak caché, les mots qu'on mâche, ça rappe sale, ça pue sa mère, j'ai des punchlines qui tapent la démarche, un Zaïrois, un Marocain, derrière ma tête, rajoute des zéros. Hey, bravo, on peut l'applaudir. Merci à toi Zenek, vous l'avez suivi avec nous à Los Angeles, continuez à nous suivre, Los Angeles. Continuez à nous suivre, vous aurez un prochain épisode comme bientôt. Jamais, ciao.